Je vais utiliser le logiciel Sysmolog pour ça. Dans la barre de recherche, je tape le nom du logiciel que je vais pouvoir ouvrir en petit puis en grand. Maintenant que je suis ici, on me demande d'étudier les fosses. Les fosses océaniques, ça correspond à des zones au niveau des fonds marins où je vais avoir des fonds marins extrêmement profonds, comme ici au large du Chili, ou encore au niveau de l'Indonésie, proche de la Nouvelle-Zélande, ou encore proche du Japon ici. Pour mon étude, je vous propose de nous concentrer dans cette zone-là, sur la côte ouest du Chili. Je vais pouvoir tout d'abord mettre mes séismes. Donc ici, je vois que j'ai des séismes qui sont représentés en jaune, donc assez superficiels à ce niveau-là. Des séismes en rouge plus profonds ici. Puis des séismes représentés en noir encore plus profonds que les rouges et donc que les jaunes. Pour faire ma coupe, je vais aller dans Outils, Coupe, Définir. Et je vais pouvoir mettre ma coupe perpendiculaire par rapport à ma fosse. Maintenant que c'est bien mis, hop, je vais pouvoir aller dans Outils, Coupe, Dessiner et je vais donc avoir mes séismes en profondeur.